Working in disasters is always difficult. And it's always quite hard going to those situations and knowing what to do. Ce défi, savoir que faire et le faire bien, a été l'une des motivations principales pour développer le manuel Sphere. Un outil universel qui apporte une réponse humanitaire prévisible et flexible. Comme avec n'importe quel outil, vous devez comprendre comment utiliser le manuel Sphere. Cette vidéo vous aidera à utiliser le manuel Sphere de manière efficace dans différents contextes humanitaires. Sphere part du principe que les populations touchées par une catastrophe ont des droits, qui sont énoncés dans la charte humanitaire. Les standards minimums mettent ces droits en pratique, en respectant les besoins et les aspirations des personnes. Les principes de protection et les standards essentiels vous aident à faire respecter les droits des personnes affectées et à vous assurer de leur participation. Les standards minimums universels de Sphere s'appliquent à toutes les situations humanitaires. Chaque situation est unique et souvent très difficile. Chaque standard est accompagné d'indicateurs clés qui montrent jusqu'à quel point il a été respecté. Ces indicateurs doivent être considérés dans leur contexte et, si besoin, soigneusement adaptés, avec l'aide des actions clés et des notes d'orientation. Lorsque vous décrivez, expliquez et atténuez les écarts entre les indicateurs Sphere et ceux atteints en réalité, vous respectez alors les standards Sphere et vous êtes redevable envers les donateurs et les personnes que vous cherchez à aider. Découvrons maintenant différents contextes dans lesquels les organisations humanitaires travaillent avec le manuel Sphere. Notre premier exemple nous emmène au sud du Pakistan, dans la province du Sindh. Nous sommes dans le delta du fleuve Indus, dans le district de Tata. C'est une zone inondable à haut risque. En août 2010, le fleuve a rompu une digue de protection ici, à côté Almao. Au niveau national, la mousson de 2010 a affecté 21 millions de personnes et a laissé 10 millions de sans-abri. Machi a pu sauver sa famille des inondations. Mais comme beaucoup d'autres familles, il a perdu une partie de son bétail. Dans cette région, les animaux représentent le principal moyen de subsistance pour la plupart des familles, vivant souvent sous le même toit. À présent, de nombreuses familles reconstituent leur cheptel. Une ONG travaille sur la promotion de l'hygiène en concertation avec les populations et en respectant l'importance que le bétail a pour leur survie. L'ONG utilise le standard sur la prévention des maladies transmissibles. Son indicateur clé stipule que l'incidence des principales maladies transmissibles correspondant au contexte est stable, n'augmente pas. Avec les animaux vivants si proches des hommes, cet objectif est difficile à atteindre, en particulier pendant les inondations. L'ONG dispense une formation sur la gestion du bétail en suivant les standards Sphere et les standards associés LEGS relatifs à l'élevage. The people have their own system and culturally they adapted and they were practicing for a long time. They want to keep animal very close to them. Most of the time, they keep the animal in their houses.
This is one of the causes for communicable diseases. Our staff went ahead and given a lot of awareness and training to the community and made the people aware of the situation to separate animals from their original living places. There need to more focus on livestock management to teach the people how can we keep and where we can keep the livestock properly to save ourselves and our children, our people. We need to look out of box as per their need, as per our local and cultural and country context. Dans cet exemple, comme dans le suivant, l'ONG a développé un programme qui respecte les coutumes locales. Nous sommes à présent dans la province de Khyber Pakhtunkhwa, dans le nord du Pakistan. En octobre 2005, un violent tremblement de terre a dévasté une partie de la région. Cet exemple présente les efforts d'une ONG locale pour éviter l'exclusion d'une partie de la population affectée. Beaucoup de familles sont vulnérables. Et il y a beaucoup de femmes qui sont widows. Et quand ils ont différentes idées de travailler, ils ont des opportunités qui ne sont pas données à la male-dominated society. Especially widows qui ont ignoré. Et ils ont des autres personnes. Jitni bhi relief thi usko cover karne ki koshish kar rahe the to wahan par Rukshana a perdu deux de ses enfants et son mari dans le tremblement de terre. Depuis elle vit avec son beau-père. Jehdi sahi shinakti card khadan jinna nal marda si unko jaldi dende si te jehdiyan bewasiyan aurtan jinna da koi bina sa unko fir na dende si chakkar kar diya si. Pour améliorer le sort des populations affectées, il est important de comprendre quel type d'aide est nécessaire et que cette aide soit apportée de la meilleure manière qu'il soit. Cela demande une analyse approfondie du contexte et une consultation permanente des autorités locales et de la population affectée. Cette ONG locale a mis en place un programme Travail contre rémunération. Elle a suivi le standard 2, sécurité alimentaire, moyens de subsistance, revenus et emploi. L'un des indicateurs clés stipule que les interventions créatrices d'emplois sont accessibles de la même manière aux hommes et aux femmes. Mais dans la province de Khyber Pakhtunkhwa, les femmes n'ont pas le droit de travailler. Comme vous savez, les gens savent que dans le KP, il y a beaucoup de tribes qui vivent et dans leurs cultures, il y a beaucoup de rôles. Donc, les femmes, उनका बहुत ज्यादा होल्ड होता है और वो स्पेशली मेन डोमिनेट सोसाइटी है केपी के अंदर वो खवातीन को डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व नहीं करते वी आर हैविंग अ चैलेंज दैट मोस्ट ऑफ द बेनिफिट्स टू व्हिच यू कैन गेट फ्रॉम कैश फॉर वर्क प्रोग्राम्स वर गोइंग टू वर द मेन एंड मेन वर हैविंग मोर एक्सेस एंड वुमेन वर हैविंग नॉट एक्सेस टू दैट. So it was a challenge for us to design such programs where women can work. Zilzile ke baad is ilake mein KP ke andar khawateen ko first time jo hai apne gharon se bahar nikalne ka mauka mila. To hamare jo jitne bhi livelihood ke projects hote hain hum koshish karte hain maximum khawateen ko focus kare usme. Isme hamari jo strategy hoti hai humne community level ke groups banaye hue hain wahan par hum लोगों को सेंसिटाइज करने के लिए सेशंस देते हैं वुमेन राइट्स के ऊपर सेशंस देते हैं और ये सिर्फ खवातीन की तरफ नहीं होते मेल कम्युनिटी में भी होते हैं क्योंकि माइंडसेट उनका चेंज करना होता है. Peu à peu, les femmes ont commencé à prendre part à l'activité économique. Avec les microcrédits gérés par les ONG, certaines femmes ont pu ouvrir de petits commerces. Tout cela aurait été impossible avant 2005. Nous sommes en République démocratique du Congo, l'un des pays les plus pauvres au monde. Ici, les conditions de vie sont souvent au-dessous des standards sphères.
Des conflits successifs dans la province du Nord-Kivu, dans l'est du pays, affectent et déplacent la population depuis de nombreuses années. Kambi iko hapa sababu tulikimbia insécurité ya FDLR pareko na maimai. Hawa walipora mali yetu, walibaka wabibi na wabinti zetu, walirunguza manyumba hata na kuua watu. Bo, basi, kure tulikuwa kure hakuna kulala kunyumba. Mchana sai ni kupiga chakula. Mimi mkisha inia mangaribi hakuna kusema utatoka tena. Fujo gani? Yeah. Basi, ya masasi unaingia mshamba, una, kama uko pambamwe na bibi yako, kama ukaote mwezini kubakia kule bana babu. Njori kwa sababu tunakimbia. Le ciblage des plus vulnérables parmi la population affectée doit se faire de manière transparente, prévisible et coordonnée. Les standards sphères apportent un langage commun afin de garantir une coordination et une collaboration réussie. Nous misons d'abord aussi un bon ciblage. Donc il faut que l'aide arrive aux plus nécessités. On essaie d'identifier dans la communauté les plus nécessités qu'on appelle les vulnérables. Au niveau même de la communauté humanitaire, on essaie de travailler ensemble pour arriver à donner des critères qui soient objectifs. Et c'est ces critères-là qui nous permettent d'harmoniser nos interventions. Et bien sûr, les critères sont basés sur des normes que nous puisons dans les manuels sphères. Voici Goma, la capitale du Nord Kivu. Ici, comme ailleurs dans le pays, la situation de l'approvisionnement en eau est précaire. Chaque jour, des familles remplissent des bidons d'eau sur les rives du lac Kivu. L'eau de qualité est trop chère pour la plupart des habitants, en particulier pour les déplacés. Arrêtons-nous sur le standard 1, approvisionnement en eau, accès et quantité. Le standard requiert un accès sûr et équitable à une quantité suffisante d'eau. Comme tous les standards sphères, il s'agit d'une expression concrète des droits humains, dans ce cas le droit à l'eau. Les termes sûrs, équitables et quantité suffisante doivent être interprétés, par exemple, à l'aide de cet indicateur clé quantitatif. La quantité moyenne d'eau pour la boisson, la cuisson des aliments et l'hygiène personnelle est d'au moins 15 litres par personne et par jour. Comme les indicateurs qualitatifs, l'indicateur quantitatif doit être adapté au contexte. Celui-ci doit prendre en compte la quantité d'eau disponible. La note d'orientation 2 vous aidera à établir les priorités nécessaires. Lors de la planification de programmes d'eau et assainissement, où on implique toutes les catégories sociales, c'est-à-dire les hommes, les femmes, les garçons et les filles, on leur dit, écoutez, l'eau qu'on va vous donner, ça doit servir à la boisson, à la cuisson, aux toilettes des femmes, aux toilettes des enfants, parce que ce sont les catégories les plus vulnérables. Mais les hommes doivent aller se débrouiller à la rivière pour se baigner ou au ruisseau. Et cela marche très bien parce que ça rejoint la culture de population rurale du Congo. Et là, vous voyez que les femmes et les enfants qui restent à la maison sont bien protégés. Nous sommes à Bunagana, près de la frontière ougandaise. Une ONG gère un programme d'alimentation complémentaire dans les écoles. Arrêtons-nous sur le standard 1, sécurité alimentaire, transfert de vivres. Et son premier indicateur, la population a un accès suffisant à des denrées alimentaires qui répondent aux besoins nutritionnels. La note d'orientation 2 de ce standard permet d'interpréter le terme « suffisant ». Elle recommande, pour les rations ordinaires, 2100 kilocalories par personne et par jour. Ces rations doivent compenser la différence entre les besoins nutritionnels et ce que les personnes peuvent se procurer par elles-mêmes. La population consomme une alimentation de 1610 kilocalories, en dehors des urgences. Et alors, imaginez-vous, dans les urgences, ça va être combien? Pour sauver les vies humaines, on donne ce qu'on a, mais on leur donne aussi des intrants agricoles, c'est-à-dire des outils aratoires et des semences que nous le demandons de cultiver pour pouvoir compléter cette ration. On appelle ça les lingalingas ici, c'est des légumes qui poussent après 21 jours et qui alors peuvent compléter un peu
et relever les niveaux de la population bénéficiaire. Les manuels, nous nous en servons, mais ça ne répond pas toujours aux besoins réels tels que nous les constatons sur le terrain. Alors, nous cherchons d'autres mécanismes. C'est des mécanismes que nous trouvons avec la population elle-même, et la plupart des fois, ça vient même de la population, sans que les organisations humanitaires en recommandent. L'ONG fournit 600 calories par jour et par enfant. Elle travaille aussi avec les standards minimums innés pour l'éducation dans les situations d'urgence, des standards associés au manuel Sphère. Ce sont les parents qui amènent les bois de chauffe. Ce sont les parents qui amènent de l'eau. Et ce sont les parents qui préparent pour leurs enfants. Penser remettre ces gens dans leur dignité demande aussi la conjugaison des efforts de tous les autres partenaires. D'un côté, il y a le PAM, il y a aussi les parents, il y a aussi la communauté. Donc vous sentez que c'est un effort conjugué de toutes parts. On essaie de voir où est-ce qu'il y a des gaps et où est-ce que nous pouvons trouver des fonds additionnels pour pouvoir rendre l'intervention beaucoup plus efficace. Par exemple, là où nous étions à cette école, des questions d'hygiène se posent. On se dit, mais comment l'enfant avant de manger, on doit s'assurer qu'il sait laver les mains comme c'est recommandé. Et avec ça, nous avons trouvé un autre partenaire qui a financé un programme de WASH. Et cela a permis que nous puissions aussi respecter les normes d'hygiène pour que ces enfants, avant de manger, puissent se laver les mains et manger dans des conditions qui sont bien recommandées. Au-delà du soutien des plus vulnérables, l'approche de Sphère est souvent de fournir une aide de base à l'ensemble des personnes affectées plutôt que d'atteindre les standards minimums pour seulement une partie de la population. L'intégration des standards et des indicateurs aux structures nationales de prévention et de gestion des catastrophes est un aspect important de la contextualisation de Sphère, permettant d'améliorer la coordination entre le secteur humanitaire et les gouvernements. Voici l'exemple de la Bolivie. En mai 1998, survient le plus grand tremblement de terre des 50 dernières années en Bolivie. Il fait une centaine de victimes et des milliers de sans-abri. Après cet événement, le pays vote une loi en 2000 pour la prévention et la préparation aux risques de catastrophes naturelles. De nombreux centres d'opérations d'urgence, COE en espagnol, sont créés sur tout le territoire. Ils regroupent les parties prenantes au niveau municipal, départemental et national. La coordination à haut niveau est alors considérée comme essentielle. Las normas esfera están ya establecidas en el ámbito de nuestra constitución. Hay 36 municipios que ya tienen organizados sus COEs municipales, eso está respaldado con alguna normativa, ¿verdad?, de carácter municipal. Y también están un conjunto de redes, ¿no?, particularmente una red humanitaria en Bolivia, que está acompañando el desarrollo de las actividades del COE nacional. L'état d'urgence nacional le plus récent remonte à 2011. En quelques semaines, le phénomène climatique, la Niña, a affecté des dizaines de milliers de personnes. À La Paz, un glissement de terrain a détruit 800 logements dans le quartier de Cupini. Dans la région amazonienne, les rivières en crue ont affecté des centaines de familles. Yo vivía antes aquí en Río, donde ese era Melote, ¿no? Una noche llega turbión de mi casa, ha llegado turbión solamente y le he sacado mis cositas nomás ya. Dès le début des inondations, le centre d'opération d'urgence a été activé, sauvant des vies humaines et préservant les moyens de subsistance. Esfera entra en la gestión de la autoridad departamental. Podamos aplicar estas normas mínimas de atención y trabajar de manera coordinada para eficientizar los recursos. Vemos que muchos actores humanitarios también toman como referencia estos parámetros. Esfera es fundamental en orientarnos estos procesos, ¿no? A La Paz, plusieurs mois se sont écoulés depuis le glissement de terrain.
le programme national de préparation aux catastrophes a bien fonctionné. Le quartier de Coupigny avait été identifié comme l'une des quatre zones à haut risque de la ville et la municipalité avait construit des abris d'évacuation pour les familles peu avant la catastrophe. Este campamento precisamente como es un campamento planificado, todo de acuerdo a la normativa esfera. Tamaño de los módulos prefabricados, los espacios entre módulos, la señalización, la cantidad de módulos sanitarios, los servicios higiénicos, de limpieza y todo aquello, está todo estratificado de acuerdo a la normativa esfera. Hemos trabajado mucho con la gente en sus niveles de resiliencia, precisamente en la recuperación psicoafectiva, en la recuperación emocional, en levantar su autoestima y tratar de mejorar con este tipo de ambiente su calidad de vida también. Consideramos que ha sido una prueba importante de cómo el nivel nacional, departamental y municipal han integrado sus esfuerzos y han podido responder plenamente a esta emergencia y obviamente tratando sobre todo de cumplir principios humanitarios fundamentales. ¿No? Comme nous venons de le voir, se servir du manuel Sphère de manière coordonnée et contextualisée exige que tous les acteurs impliqués le comprennent et l'utilisent bien. Les formations Sphère et les programmes universitaires du monde entier, comme celui de l'université de Cochabamba, contribuent à cet objectif. Nosotros hemos visto de que a través del proyecto Sphère que podamos formar a nuestros profesionales y técnicos también que trabajen en las diferentes esferas de gobierno departamental, municipal, queremos que nuestros estudiantes, nuestros profesionales tengan esa capacidad de respuesta inmediata a estos efectos. Puedan irradiar la lógica y además los principios del proyecto Sphère que consideramos que son sumamente importantes, no solamente para Bolivia, sino para todo el planeta. Depuis plus de 15 ans, le projet Sphère contribue au respect de la dignité humaine dans l'intervention humanitaire et dans la gestion des catastrophes. Aujourd'hui, le projet Sphère et ses standards associés s'inscrivent dans une tendance générale d'amélioration de la qualité et de la redevabilité, grâce à une plus grande coordination de l'intervention humanitaire autour d'un ensemble commun de principes et de standards. Plus ces standards seront intégrés dans le travail humanitaire, plus nous pourrons atteindre notre principal objectif. Soulager la souffrance, quelle que soit la difficulté des circonstances, tout en respectant la dignité, les droits, et la parole des personnes que nous cherchons à aider.